Énergie présente. Les Jeez continuent leur aventure sur mobile et tablette. Rendez-vous dès maintenant sur jeez.gulli.fr. Bonjour à tous et bienvenue dans Gulli Mag. Au programme de l'émission qui vient, il y aura... Une famille chanceuse. Un reportage sur le catch. Une sortie manga. Et une bonne blague. Bonjour Gulli Mag. Salut. Bienvenue au Marc Astérix. Eh salut, il y a quelques semaines, votre chaîne préférée vous proposait de participer à un concours pour gagner un week-end au Parc Astérix. C'est la famille Vuitton qui l'a remporté. La caméra de Gulli Mag les a suivis durant leur séjour. Bravo. Alors Romain et Quentin, quel est le programme? En premier, on a fait le tonnerre de Zeus. Après... Durix ou Osiris. Enfin, bref, on va faire plein d'attractions. Et pour l'instant, quelle est votre attraction préférée? Moi, c'est le tonnerre de Zeus. Pareil. Tu es dans le wagon, après tu tournes par là. Après, t'as une grande montée. Et après, t'as une grosse descente. Après, t'as plein de montées, plein de descentes et tout. Oh là, oh là, oh là, oh là, doucement. Et oh, il y en a qui ont le cœur sensible, hein. Mais ce n'est rien comparé à ce qui vous attend. Nos jeunes reporters sont surtout venus pour tester la nouvelle attraction du parc. J'ai nommé Osiris. Alors, ça va? Pas trop secoué? C'était fun. Ça retourne vraiment, ça va vite. On sait plus vraiment où on est. Il y a de la fumée. Franchement, c'est vraiment bien. Ouais, et vous n'avez pas eu peur, hein, même pas un tout petit peu? J'ai peur de la montée, parce que j'ai eu peur de ce qui allait arriver. Bah, c'est sûr, il y a beaucoup d'appréhension à la montée. On ne sait pas vraiment dans quel sens on va tourner. Bon, bravo, hein, vous êtes quand même super courageux. Allez, on vous laisse vous remettre de vos émotions et profiter du reste de la journée. Au revoir, Gulli Mag. Salut, amusez-vous bien. Le catch, ce phénomène venu des États-Unis, vous a peut-être déjà conquis. Mais connaissez-vous vraiment bien cette discipline? Pour en savoir plus, nous avons assisté à une rencontre récemment organisée à Paris. Tendez bien l'oreille, on a quelques révélations à vous faire. Il y a une histoire qui est racontée et qui doit faire réagir le public. L'issue du combat, on la connaît généralement. Il y a des personnages récurrents. C'est un peu comme une série télévisée, en fait. On ne peut donc pas vraiment parler de sport, c'est plutôt de la cascade, ou qu'est-ce que vous diriez, vous? C'est du théâtre sportif, c'est un divertissement sportif. Voilà qui est bien résumé. Pourtant, le catch trouve ses origines dans la lutte gréco-romaine. Et on retrouve aussi une touche d'arts martiaux. Oui. Mais alors, si c'est du spectacle, est-ce qu'il y a quand même un règlement? C'est pas du tout réglementé comme un combat de boxe, dans la mesure où c'est plus du spectacle que du sport de combat. N'oubliez pas que les catcheurs sont des professionnels. Ils s'entraînent durement pour se préparer aux compétitions. Donc, s'il y a bien quelque chose à retenir, c'est ça. Ne faites pas ça chez vous. T'as reçu 5 sur 5. Le dessin animé Wakfu, je suis sûre que vous connaissez. C'est l'histoire de Hugo, un jeune garçon qui a le pouvoir de créer des portails de téléportation. Ses aventures existent aussi en jeux vidéo, bande dessinée, cartes à collectionner. Et le 14 juin, vous pourrez découvrir la version manga. Dans ce premier tome, l'histoire démarre alors que la confrérie du tofu est un peu dispersée. Mais ses membres se retrouvent un jour à l'occasion d'un anniversaire. Ce n'est que le début des ennuis car quelqu'un va venir perturber la fête. Si vous êtes vraiment fan de l'univers magique de Wakfu, le jeu en ligne est disponible également. Et on se fait une petite partie? Bah ouais, d'accord, mais après l'émission, ok? Ah d'accord. On vous a déjà présenté plusieurs flash mobs. Vous savez, ces rassemblements surprises se passent dans des lieux publics et ont pour objectif de surprendre les passants. En voici un nouveau très drôle. C'était il y a quelques semaines à New York, aux États-Unis. Nous avons 8 groupes de quadruplés différents. On va vous emmener dans le parc. Vous allez vous mélanger ensemble pour créer des scènes surréalistes pour les promeneurs. Bah oui, imaginez votre réaction dans cette situation. C'est la chose la plus bizarre que j'ai jamais vue. Inutile de se frotter les yeux plus longtemps, vous n'avez pas de problème de vue, non, non. Et la scène est garantie sans effets spéciaux. C'est vraiment hallucinant. Oh, je douche. Disponible sur le canal 18 de la TNT gratuite.